Bonjour, Zé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour ajouter l'intro de GoPro Studio à tous vos montages. Tout d'abord, téléchargez le dossier contenant l'intro de GoPro Studio ainsi que son audio. Pour ce faire, il suffit d'aller dans la description de la vidéo. Et oui, j'ai pensé à tout, mes petits loups. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous pouvez enfin ouvrir votre logiciel GoPro Studio. Passez directement à la deuxième étape, puis cliquez sur « Média » et sélectionnez l'intro ainsi que son audio, puis cliquez sur « Open ». Voilà, vos fichiers sont donc importés. Insérez la vidéo puis l'audio dans la timeline, rognez l'audio. Pour cela, placez-vous à la fin de cette petite musique. Lorsque le symbole avec deux flèches apparaît, effectuez un cliquer-glisser. Tu cliques, tu glisses la souris et ça rogne ton audio. Voilà, vous avez donc importé tout ça. Afin d'éviter de refaire cette manipulation à chaque fois, je vous propose d'enregistrer votre projet. Alors, comment faire cela? Ah bah oui, je me demande bien, parce que moi, je sais pas du tout. Eh bien, tu te tais et tu regardes. Ce que tu vas voir, c'est super facile. En haut, dans le menu, vous allez dans File, puis dans Save Project. Là, tu choisis le nom de ton projet et tu cliques sur Save. Maintenant, si on ferme GoPro Studio, qu'on va dans Documents, puis dans GoPro Project, on retrouve notre projet. En double-cliquant dessus, tu l'ouvres. Voilà, vous savez dorénavant ajouter l'intro de GoPro Studio dans n'importe quelle vidéo, facilement et rapidement grâce à moi. Oui, bon quoi, t'as un problème? C'est ma vidéo, je me la pète. Hein. Bon, j'ai pas que ça à faire, je dois aller faire la vaisselle, alors moi je vous dis à la prochaine, et puis salut quoi. Bisous.